Liste 8, phrase numéro 3. J'ai une demande à te faire. Peux-tu venir chez moi pour me rendre mon pantalon avec la bande rouge? S'il te plaît, là j'ai plus de pantalon, je me promène tout nu! Ok, c'est blague. J'ai, c'est le verbe avoir à la première personne du singulier. J'ai une demande. J'ai une demande à te faire. À te faire. Est-ce qu'on met un accent sur le « à » ? Ben oui, on pourrait pas dire « j'ai une demande à te faire ». Ça fonctionne pas. Donc, j'ai une demande à, accent sur le « à », à te faire. Deux points. Là, tu mets comme un point en haut, un point en bas, tu sais. Deux points. Et là, on ouvre des guillemets. Des guillemets, c'est quand quelqu'un parle. Quand quelqu'un parle, on met comme un petit signe. Tu sais, quand je te parlais des deux points, c'est un point, un en haut de l'autre. Ça, c'est deux points. Et quand je te parlais des guillemets, c'est comme ça, deux petits signes comme ça. Puis là, la personne en parle, puis il y en a deux autres. Fait que les guillemets, ils vont avant et après le dialogue. Donc, le dialogue, c'est les paroles qu'une personne dit. Donc, tu as compris. Donc, ici, on met les deux points. On ouvre les guillemets pour annoncer que la personne parle. Et dans les guillemets, c'est « peux-tu » peut se termine par un « x hein? ». « Je peux » P-E-U-X, « tu peux » P-E-U-X, « il peut » P-E-U-T. Donc, « peux-tu », tu mets un trait d'union entre « peux » et « tu ».« Peux-tu venir chez moi? » En fait, pour ça, je te montre, tu vois-tu, quand je te parle du trait d'union, là, entre « peu » et « tu », il y a une ligne. Cette ligne, on appelle ça un trait d'union. « Venir chez moi », ben « chez » et « moi », il y a une ligne entre « chez moi », ben c'est un trait d'union. On appelle ça un trait d'union. Quand on associe deux mots ensemble pour faire un mot composé. Un mot composé, c'est il y a deux mots qui sont collés ensemble avec un trait d'union. « J'ai une demande à te faire. Peux-tu venir chez moi? » T'as-tu écrit ça? « J'ai une demande à te faire. » Deux points. Ouvre les guillemets. « Peux-tu venir chez moi? » Le trait d'union entre « peux » et « tu ». Le trait d'union entre « chez » et « moi ». Tout est beau? On continue. « Chez moi pour me rendre. » « Pour me rendre. » Mon pantalon. Mon pantalon. Avec. Avec. La bande. La bande rouge. Point d'interrogation. Et ferme tes guillemets. Il a fini de parler. Corrige-toi! Bonne journée!